السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم على قناتكم مو بروف دو فرونسي. اليوم لنا درس جديد في اللغة الفرنسية، فلنبدأ على بركة الله. Alors, mes chers élèves, prenez-vous livre de français et suivez-moi à la page 28. Identifiez les slides de Ktoubou comme le langage français ou Tabiouna Safha, c'est Mené Waishoun. Le complément d'objet indirect. Le complément d'objet indirect, c'est Bimana Al-Mufoul Fi'. Lis le dialogue pour répondre aux questions. Iqra Al-Hiwar Al-Ijaba Ala Al-Asila. Yassine, tu te souviens de nos vacances à Timimoun? Massinissa. Regarde. J'ai déjà une photo surprise. Yassine, à qui donnes-tu la photo surprise? Massimissa, je donne la photo à ma mère. Elle adore le désert. Tu te souviens de nos vacances à Timimoun? Allô, elle se Massimissa. Alors regarde, j'ai déjà une photo surprise. Alors on a déjà une photo. Tu vois les photos que l'imbaro. Donc on a des comme là, sur la table, mitel avec. Yassine, à quoi donnes-tu la photo surprise? Alors le même déjà. Ma sinistre. Alors je donne la photo à ma mère. Elle adore le désert. قالوا نعطيها لأمي هي تعشق الصحراء. A. De quoi se souvient Massinissa. Massinissa se souvient de ses vacances à Timimoun. À qui donne-t-il la photo surprise? Il donne la photo surprise à sa maman. À sa mère. Ça y est. Et donc, c'est quoi le complément d'objet indirect? Ma huwa al-maf'oul fi. Et donc, tabou ma'a fi chacha al-an. Nqeddem lkom al-dars. Le complément d'objet indirect, c'est quoi le complément d'objet indirect? Huwa al-maf'oul fi. Le complément d'objet indirect est un complément d'objet introduit par une préposition. A ou la de. Répond aux questions à qui, à quoi, de qui et de quoi. Le complément circonstancié, le complément d'objet indirect est un complément du verbe et fait partie du groupe verbal. Donc le complément d'objet indirect, هو المفعول فيه. باش نعرفو يسبقو دائما une préposition, أداة الجر, à ou la de. Répond aux questions. باش نعرفو لازم نطرحو نجاوبو على السؤال à qui الى ماذا الى من à quoi الى ماذا de quoi de qui من من ولا de quoi من ماذا. Le complément d'objet indirect est un complément du verbe هو يكملنا le verbe et fait partie du groupe verbal هو جزء من المجموعه الفعليه. Exemple, papa parle à son ami. Papa parle à qui? À son ami. A ou le pré, préposition. Ou bien le complément d'objet indirect. À son ami ou le complément d'objet indirect. Exercice. Indique le complément d'objet indirect dans les phrases suivantes. Alors, cette voiture est à Houssine. Le chien lèche les mains de son maître. Oussaï se souvient de sa leçon. Alors, cette voiture est à Hussein. À Hussein, c'est le complément d'objet indirect. Le chien lèche les mains de son maître. Alors, de son maître, c'est le complément d'objet indirect. Osei se souvient de sa leçon. Osei de sa leçon, c'est le complément d'objet indirect. Alors, qui maintenant on pose la question. Cette voiture à qui? C'est à Hussein. Le chien
lèche les mains de son maître. Le chien lèche les mains de qui? De son maître. Osei se souvient de quoi? De sa leçon. D'accord? Recoupez les phrases, puis souligne le complément d'objet indirect. Encore le jumel, tu m'as sauté le complément d'objet indirect. Elle pense à ses vacances d'été. Là, tu as même fait l'hôtel, tu as l'hôtel. Il pense à ses amis. Il pense à qui? Il pense à ses amis. Il a besoin de crayons de couleur. Il a besoin de quoi? Il a besoin de crayons de couleur. Oui, il parle de son ami. Il parle de quoi? Il parle de son ami. Ah, de qui? De son ami. Il demande la clé à sa sœur. Il demande la clé à qui? Il demande la clé à sa sœur. Ça y est? Sixième exercice, lis le dialogue avec ton camarade, puis réponds aux questions. Iqra al-hiwar ma'a az-zumala'ik wa ajib 'ala al-as'ila. 'Ala al-as'ila, pardon. Zakaria, maman, tu peux m'aider à trouver mon sac au dos, s'il te plaît. Maman, cherche ton sac au dos dans le grand placard. Zakaria, non, je ne trouve rien, maman. Tu oubliais souvent tes affaires à l'école. Zakaria, non, maman, je n'oublie jamais mes affaires. Zakaria, maman, tu peux m'aider à trouver mon sac au dos, s'il te plaît. Zakaria, maman, maman, cherche ton sac au dos dans le grand placard. Zakaria, non, je ne trouve rien. Maman, tu oublies souvent tes affaires à l'école. Zakaria, non, maman, je n'oublie jamais mes affaires. زكريا قال لي ما قلب لي نوم جامي نسيت صوالحي في المدرسة. كو شيرش زكريا، على ماذا يبحث زكريا؟ زكريا il cherche son sac au dos. Il cherche son sac au dos. B le trouve-t-il؟ Est-ce qu'il oublie ses affaires à l'école؟ قال لك صابو il ne trouve rien. Il ne trouve rien. Est-ce qu'il oublie ses affaires à l'école? Il n'oublie jamais ses affaires. Il n'oublie jamais ses affaires. Ça y est? Alors, la négation, la leçon d'aujourd'hui, c'est la négation avec ne jamais et ne rien. D'accord? Ne jamais. Mais maintenant, jamais نديروها زعما نفي زعما نفي تاع 100% et ne rien بمعنى لا شيء ما دار والو هذه هي شغل ما يدير والو صحيح. Complète les phrases négatives par ne jamais, ne rien. Tu veux une banane au dessert? Ah, au dessert, pardon. Tu veux une banane au dessert? Non, merci. Je ne veux rien. Je ne veux rien. La wadou fichier. Jette jamais les déchets par terre. Je ne jette jamais les déchets par terre. Non. Alors, tu veux une banane au dessert?
قالوا لك باغي موزة في المقبلات، قالوا نو ميرسي جو نو فو ريان، قالوا ما راني باغي والو، هيا شغل ما راه باغي والو لا شيء. جو نو جيت جامي دي شي باغ تير، قالوا انا جامي رميت، انا زعما لم ارمي ابدا الاوساخ في الارض، بمعنى ني جامي يعني ابدا ما شغل ولا مره دار في حياته. هذه هي نوريان في شغل زعما ما يديرهاش ولا زعما ما يديرهاش بزاف ولا ما راهش باغيها ولا كيما انا في لو تاكس جو نو تروف ريان، بمعنى ما صاب والو، شغل ما كان والو. هذه هي اي عاود هنا جو نو فو ريان بمعنى ما راه باغي والو، هذه هي شغل ريان سي والو. هذه هي وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو، شكرا لمشاهدتكم الفيديو، ما تنساوش باشتراك القناة وتفعيل الجرس يحققكم كل جديد، وما تبخلوناش بإعجاباتكم وتعليقاتكم المحفزة لكي نواصل ونستمر. إلى اللقاء.